Super petits amis, alors encore, c'est vraiment parce que je tourne l'épisode dans la continuité, mais j'arrive à remettre le son à fond. Bref, donc nous voilà pour l'épisode 4 cette fois-ci de notre Let's Play sur FF7. Hop, je me replace tranquillou. Bon, en espérant que la manette se déconnecte pas. Non, c'est cool. Donc la dernière fois, on s'était arrêté au moment où on ramenait Iris chez elle, hein, juste après le cinéma. On est dans un petit ciné drive, je l'ai prise dans la voiture juste derrière, puis voilà, je la ramène chez sa mère, c'est normal. Tout va bien. Je suis de retour, maman. Putain. C'est Cloud, mon garde du corps. Eh putain, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ton garde du corps, tu veux dire qu'on te suivait? Encore? Putain. T'es une salope. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Je suis très bien, Cloud était avec moi. Merci Cloud. Alors, que vas-tu faire maintenant? Le secteur 7 est si loin d'ici, je me rends au bar de Tifa. Oui, voilà, j'ai envie d'aller boire. Tifa, c'est une fille? Non, c'est un mec, c'est un bon gros travelot, tu vois, bien. Hmm, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que c'est un travelot? Hmm. Oui. Une amie? Ta petite amie? Voilà, donc là, voilà, mon connard. Oh, c'est bien. Salope. c'est bien. Voyons, le secteur 7, je vais t'indiquer le chemin. Tu plaisantes? Pourquoi veux-tu encore prendre des risques? J'ai l'habitude. Tout va bien, je suis un peu suicidaire, tu vois. L'habitude? Eh bien, je ne sais pas d'être aidé par une fille. Parce que moi, je suis un peu macho, quoi. Ma vérité en prendra un coup, non, je ne peux pas accepter. Une fille? Que veux-tu dire? Oh! Mais t'en prends une, mec. Tu crois que je vais t'écouter après avoir entendu dire, t'avoir entendu dire une chose pareille? Maman! Maman! J'emmène Cloud au secteur 7, à tout à l'heure. Non, non, tu repars pas maintenant, tu restes là, tu. Putain, ils ont une grosse télé, hein, il me semble. Mais, j'abandonne, tu n'en fais jamais qu'à ta tête, putain. Mais si tu dois partir, pourquoi n'attends-tu pas demain? Ça fait tard quand même, il fait super jour dehors. Oui, tu as raison, maman. Iris, s'il te plaît, va faire le lit. Oui, encore une fois, mais ils ont une super grande télé. Enfin, pour l'époque, en tout cas, regardez-moi ça, quoi. Eh, hey, madame, je peux l'allumer? Ou alors c'est un four, je sais pas, mais. Est-ce que vous avez des trucs à voler ici? Hmm, je suis sûr qu'il y a des trucs à voler. Cette lueur dans tes yeux, tu es un soldat, non? Oui, ou plutôt j'étais. Enfin, tu fais partie du soldat, parce que tu es un soldat. Enfin, dans ce jeu-là, ça veut dire. Je ne sais pas comment le dire, mais tu dois partir cette nuit, sans le dire à Iris. Le soldat, la dernière chose dont tu as besoin, Iris, c'est d'avoir encore une fois le cœur brisé. Mm-hmm, c'est passé une histoire, on dirait. Hmm, bon, bah, je me casse. Genre, qui a barricadé la porte pendant que j'étais parti? Hein? Qui c'est qui a fait ça pendant que j'ai le dos tourné? Bon, donc du coup, je suis obligé de monter, hein, pas trop le choix. Tu dois passer par le secteur 6 pour arriver au secteur 7. Le secteur 6 est assez dangereux. Alors, tu ferais mieux de te reposer ce soir. Mm-hmm. Cloud? Bonne nuit. C'est ça, ouais, guicheuse! Ah, j'ai oublié le passage d'après, merde. Ouais, là j'aurais peut-être besoin d'un. Oh! Oh! L'air plutôt fatigué. Hein? Quoi? Cela fait une éternité que je n'ai pas dormi dans un lit comme celui-ci. Ah oui. Je me parle tout seul. Depuis tout ce temps. Encore un flashback. Oh, Cloudinette! Dis donc, comme tu as grandi. Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Oh, les mères. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Je suis gay, d'accord? Donc, t'auras pas de gentille petite amie. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Oui, bon, c'est ta gueule. Je crois vraiment que ça te conviendrait.
Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ça, les filles ne m'intéressent pas. Je suis gay, voilà. Voilà, c'est dit. J'ai dû m'endormir. Hein. Sûrement, c'était un peu le but en fait. Le secteur 7 se trouve après le secteur 6, je devrais me débrouiller tout seul. Alors attends, parce que ça c'est un objet ça. Voilà. Cool. Ok, on a compris. Oh genre! Alors normalement quand on fait ça on se fait choper une première fois, après faut le refaire une seconde, qu'on court ou qu'on court pas, parce que alors si on court on se fait choper tout le temps en fait. Il y a une petite planche de merde qui grince en haut. Puis du coup qu'attire l'autre là, la petite Iris. Là non, ça, d'accord, sur la version PC, tranquille quoi, tu peux y aller, voilà, peinard. Oui, allez, si, on n'a rien fait de très spécial, mais j'aurais fait un truc. Alors, vu que je les tourne dans la continuité, je vais devoir en faire une troisième. C'est jamais, voilà. Non, au cas où il y aura un problème en montage. Par contre, du coup, il faudra que je m'en retape deux à chaque fois. Ce serait con. Salut, mon petit bonhomme. Alors, on peut toujours pas aller là-bas, on est d'accord. Non. Ok. Alors, donc c'est... Oh, mais... Non, tu t'es TP. Tu t'es forcément TP. Je suis là directement. Tu t'es levé de bonne heure. Comment pouvais-je te demander de continuer alors que je savais que ce serait dangereux? Tu as fini? Ok. Ok, mec. Tu dois traverser les taudis du secteur 6 pour aller aider... Pour aller au 7ème ciel, le typhon. Je vais t'y emmener, viens. Alors, je crois qu'on s'est pas très bien compris, en fait. Tu reviens ici, déjà. Alors, bon, vu que je vais quand même la garder un sacré bout de temps, voilà, autant lui mettre le bijou titan. Ok, donc les matas sont paroliers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger. Arranger, échanger. Okay. Alors, c'est qui restera cette fois? Hop. Voilà. Alors, moi, perso, couverture... Bon, pour l'instant, je vais le mettre, mais au bout d'un moment, je le retirerai, hein, parce que il sert pas à grand-chose. Ouais, je suis sur une main, je suis sur une main. Pardon. Surtout que ça sert à rien. Et puis voilà, en plus, je me fais attaquer. C'est une honte. Super, on va pouvoir finir vite. Voilà, donc ça c'est couverture. C'est bien, hein. Putain, ils sont vachement résistants en plus. Hein. Oh la vache. Sauf que non, en fait, je suis con, je vais peut-être retirer les couvertures parce que le problème, c'est que du coup... En sachant que normalement, il y avait 20% de chance qu'il la protège hein, à chaque fois. Bon. On va savoir à la première vue, j'ai de la chance. C'est que le problème, c'est que du coup, lui, il augmentera peut-être vite en limite, mais elle non, parce qu'elle fera jamais la sienne. Donc on va éviter ça, on va se faire un petit guéri, voilà. Ok, allez c'est parti. Bon, je crois ici qu'il n'y a rien à prendre de spécial. Donc je vais pas insister, hop, voilà. Voilà. La porte d'accès, la porte d'accès au secteur 7 se trouve ici à l'intérieur. Merci, donc on se dit au revoir, ça va aller pour rentrer chez toi, tu dégages. Oh non, comment je vais bien pouvoir faire? C'est ça que tu veux que je dise? De toute façon, je crois que ça change rien, donc bon, voilà. Hop. Je pourrais bien faire ça, mais je ne vais pas te déranger. Qu'est-ce que tu veux dire me déranger? Rien. Je te laisse avec ta petite copine. Moi, je fais des fellations. On peut faire une pause? Alors...
peux aller dans la cabane, je peux aller dans la cabane. Je peux faire de la balançoire, je peux faire de la balançoire. Est-ce que je peux faire du toboggan? Je vais faire du toboggan! Le sale gamin, quoi. Eh, hey, monsieur, y a quelqu'un? Alors, bon, faut lui parler si on n'avancera pas. Je ne peux pas croire qu'il est toujours là. Ah oui, le toboggan. Monsieur chat. Cloud, par ici. Qu'est-ce qui me fait chier? Alors, j'en profitais pour faire un truc. Excuse-moi. Tu étais en quelle classe? Oh, moi je me suis arrêté à la troisième hein, parce que j'ai rien dans la classe. Tu sais bien dans le soldat. Ah, j'étais. Voyons. Mito, en première classe. Exactement comme lui. Comme qui? Comme mon premier petit ami. C'était du sérieux? Non, mais on s'entendait assez bien. Je l'ai probablement connu, comment s'appelait-il? Excuse-moi, raté en plus. Ce n'est pas vraiment important. Ah, là-bas? Tifa! Oh, bah, Tifa! C'était... Non, cette fille, excuse-moi, dans la charrette, c'était Tifa. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait l'air bizarre. Je ne l'aime pas. Attends! Je vais continuer tout seul. Toi, rentre chez toi. Oust! Rentre chez vous! Ah, les femmes. N'écoute même pas. Bon, je me suis. Ah, oui. Ça, j'aime bien le petit écran qui sert à rien, voilà. Là, c'est une petite zone de combat, donc voilà. Mais ça sert vraiment strictement à rien, quoi. Ça, c'est la musique du World Market, quoi, c'est trop bien. Bam, bam, bam. Je sais pas chanter, hein, vous avez remarqué? Hein? Ouais. Cet endroit a bien des raisons de faire peur. Surtout à une fille. Oh, voilà. Après, c'est mal macho, quoi. On doit donc retrouver Tifa au plus vite. Ok, alors. Mais ça va bien, l'impression est douceur, un cul chat. Ok. Alors, excusez-moi en fait, hein, là j'ai des moments de. Il n'y avait pas un point de sauvegarde quelque part. Ah, c'est ça. Là j'ai des moments de. D'absence, c'est parce qu'en fait, maintenant on va faire une petite quête que je tiens à vous montrer parce que c'est plein de petits passages marrants en fait. Et le problème c'est que je m'en souviens pas de par cœur, enfin je m'en souviens pas par cœur de ce qu'il faut faire. Donc, donc je suis un connard et j'ai une solution devant les yeux. Voilà. Enfin, je me souviens plus ou moins presque par cœur ce qu'il faut faire, mais c'est-à-dire qu'il y a des passages où faut répondre à certaines questions bien. Donc voilà, du coup. Bon. Alors pour l'instant je visite pas, hein. On visitera après. C'est le manoir de Don Corneo, c'est un type important ici à Wall Market. Écoute, Don ne s'intéresse pas aux hommes, alors fiche le camp d'ici. J'ai fait une connerie là ou... Fallait que je parle à quelqu'un, je sais pas. Alors, j'ai dû zapper un passage, hein, peut-être qu'il fallait que je parle au mec juste devant, mais je crois pas. Et là, vous deux, pourquoi ne pas prendre un peu de repos? On a une très jolie chambre, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, Attends, c'est le jeu qui bug là ou... Normalement, fallait bien que j'aille parler au mec directement. Hein.
Ok, ou alors attends, j'ai peut-être une idée. Bon, quand je parle de la solution, c'est pas la solution, c'est en fait ce qui se passe juste après. bon, là pour moi, il fallait que je parle à ce mec-là, mais il semblerait que non. Donc peut-être qu'en allant par là-bas. J'arrive vraiment pas à prendre une décision. Hein? À propos de quoi? Ne devons pas en parler, c'est le magasin en bas à droite. Ouais, j'y vais ou non? Je viens tellement débile dans de telles circonstances, je suis nul. Johnny. Hey, tu ne serais pas? Quoi, tu veux dire que toi aussi tu es... Quoi? Moi aussi j'ai pris cette décision après mes réflexions. Mais là, le souvenir de Midgard, tu sais. Wow. Excuse-moi. Mais ce type là-bas me fait un peu peur. Bonjour. Le Nebe Inn est un club privé. Seuls les membres peuvent y entrer. Oust. Oui, ben non, alors... qu'est-ce qui se passe? Bienvenue, même des nazes comme vous peuvent trouver leur rêve ici. Ok. Cherche une petite amie, connaîtrais-tu Tifa? Hey, t'es rapide toi. Tifa, c'est la toute nouvelle. Mais malheureusement, elle est en plein entretien. Ici, au Onebe Inn. Onebe Inn, je sais pas pourquoi je dis B. On a l'habitude d'emmener toutes les nouvelles filles à la demeure de Don Corneo. Don Corneo est un célèbre dilettante. Bon. Maintenant, il veut se ranger et il se cherche une épouse. Voilà, donc c'est ça. Il fallait que je parle à ce mec-là pour débloquer la situation. Du coup voilà, maintenant je peux aller voir l'autre connard en haut là. L'autre enfoiré de merde. Oui. Parfaitement, je suis violent. Bah voilà. Hé, tu en es mignonne avec toi? Ah j'avoue. Ah tu parlais d'elle. Hé, on dirait le manoir te donne, je vais aller y jeter un oeil. Je vais chercher Tifa. Non, c'est impossible. Pourquoi? Tu sais de quel genre d'endroit il s'agit, n'est-ce pas? Oui, c'est une caserne à pute, hein. Mais alors, que suis-je supposé faire? Tu veux venir avec moi? Eh bien, en tant qu'homme, ce sera plutôt difficile. De plus, si je suis à l'option ici, ça risque de poser de nombreux problèmes. Et en plus, après, tu te fous de ma gueule, donc... Mais je ne peux pas te laisser aller seul, dilemme. Eh ouais. Tout d'abord, nous devons vérifier si tu vas bien. Qu'est-ce qui est si drôle, Iris? Tu te fous de ma gueule? Franchement? Claude, pourquoi ne te déguises-tu pas en fille? C'est le seul moyen. Hein? Je suis pas un travelot, hein. Attends, j'ai une amie charmante qui pourrait m'accompagner. Iris, c'est impossible. Tu t'inquiètes pour Tifa, n'est-ce pas? Alors viens, dépêche-toi. Bon, j'avoue qu'un mec baraque comme ça, c'est comme si on me demandait à moi de me déguiser en fille, quoi. Ouais, je me la pète! Alors, donc d'abord le magasin de fringues, c'est parti. Le magasin de fringues. Je sais plus où il est le magasin de fringues, c'est ça? C'est ça, cool. Eh, ne pousse pas, malotru! Ok, calme. S'il vous plaît, je cherche une robe. Ça va peut-être prendre un peu de temps, c'est pas grave. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le patron qui m'empère n'est pas au mieux de sa forme ces temps-ci. Et c'est lui qui fait toutes les robes. Et où se trouve-t-il? Il est probablement cloué au bar. Bon, c'est un alcoolo, quoi. Donc si je comprends bien, ce n'est pas possible d'avoir une robe à moins de s'occuper de votre père. C'est ça. Je suis désolé, il nous a tellement posé de problèmes. Vous pourriez m'aider à le ramener? Ben, si on ne fait rien, il n'y aura pas de robe, c'est ça? Vraiment, je vous en supplie, aidez mon pauvre père, je ne sais vraiment plus quoi faire. Dilemme. D'accord, on va faire quelque chose, allons-y Claude. Ok, en plus je suis là pour régler les problèmes de famille, ça devient n'importe quoi. C'est une honte. Pam 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 pam. Alors le bar normalement c'est ici. C'est ça. Et le père c'est lui. Bonjour. Pardon, serez-vous le père de la fille du magasin de vêtements? Le magasin de vêtements est à moi. Et je ne suis pas votre père. Ok. pardon, est-ce que c'est votre 20e verre? C'était pas ce que j'ai dit. Claire, tu te calmes. De suite, hein, on n'agresse pas les gens comme ça. Des vêtements vite. Je ne fais pas. C'est le mec de Cro-Magnon. Je ne fais pas de vêtements masculins. D'ailleurs, je n'ai rien envie de faire pour le moment. Claude, attends un instant, je vais essayer de lui parler. Ouais, c'est ça, tu vas essayer de lui parler. Hein. Pourquoi n'irais-tu pas là-bas boire quelque chose? Vous savez, monsieur, il a toujours dit qu'une fois il aimerait rester qu'il s'est enfui. Il a toujours été un peu gay, voilà quoi.
Alors je vais lui trouver une jolie robe. Quoi? Ce type baraqué en fille? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous lui en ferez une? Ça pourrait être intéressant. Je commençais à me lasser de ne faire que des vêtements classiques. Donc vous allez nous faire ça? Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez comme genre de robe? Quelque chose qui donne une impression de douceur. Aussi quelque chose qui chatoie. J'étais en train de regarder en même temps. Quel connard. J'ai compris. Vous savez, j'ai un ami qui a les mêmes goûts que lui. Je vais aller lui parler. Monsieur, je ne suis pas gay. Hein. Une seconde, attendez que l'inspiration vienne. C'est bon. Non mais encore une fois, je suis pas gay. Monsieur, je ne suis pas gay. D'accord. Ah, encore une fois, excusez-moi pour les moments d'absence, mais c'est parce que je regarde en même temps. Bon, pour l'instant, c'est ce que je pensais, jusqu'ici. Voilà, je n'ai pas envie de faire d'erreur, je veux que ce soit parfait pour vous montrer vraiment les passages marrants. Alors. Ah, tu es ici. C'est prêt, vas-y, essaye. Cool. Cool, 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 cool. Toi les bruits quand tu changes de vêtements. Comment on fait pour enfiler ça? Hé, qu'est-ce que tu... Iris, t'es un petit peu perverse quand même, tu vas te calmer tout de suite. Ce n'est pas encore ça, une perruque. Oui, c'est ça qu'il te faut. J'y ai pensé, j'en ai donc parlé à un ami. Vous connaissez le gymnase? Vous y trouverez plein de gens comme vous. Allez leur parler. Vous trouverez plein de barbares totalement débiles là-bas. Comme nous. Qu'est-ce que tu allais lui raconter? Excuse-moi, j'adore ce passage. C'est important, l'essentiel c'est qu'on ait une jolie robe. Monsieur, je ne suis pas gay! Comment ça s'est passé? Vous l'avez vu? Non, pas encore. Mais je ne suis pas gay! Alors, bon, le gymnase c'est en haut. Bon, si je me souviens bien, il faut juste que je remporte le truc. D'accord, alors, attendez, je vais quand même juste sauvegarder parce que là, le problème, c'est que je vais refaire des trucs avec des touches. Et j'ai un peu peur que ça soit quand même assez mal configuré, donc, au cas où... Padam, pam, padam, pam. Bon, par contre, je ne sais pas si je terminerai la quête du Wall Market dans cet épisode-là, parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Hein. Je vous le dis honnêtement... Alors, c'est à toi que je dois parler, je crois. C'est toi qui veux devenir beau. Ouais, je suis carrément moche, là, putain. Embellir? C'est ce que tu cherchais comme mot? T'as pas de cerveau. D'accord, et pour la perruque? Ouais, j'ai entendu ça, mais ça va te coûter cher. Urk! Big Bro, tu ne pourrais pas t'embellir que si tu arrives à... Non, tu ne pourras t'embellir que si tu arrives à battre Big Bro. Ouais, c'est ça, ouais. Alors tu vas te mesurer à nous. T'as raison, tout s'accroupit. Les gars, je ne suis toujours pas gay. Ok, on va te réduire en poussière. C'est toi? Le super-héros, la super traduction? Quoi, tu ne le savais pas? Tu cours dans tous les sens en mettant du Big Bro à toutes tes sauces. Comme la traduction. C'est pas grave, viens par ici. Non, je vais t'expliquer les règles. Lorsque tu es prêt, ouais, bon d'accord, ok. Oui, alors d'accord, super, ils ont mis OK, changer, annuler, cool. Et normalement, c'est... Carré, croix rond. Carré, croix rond. Carré, croix rond. Moi, je crois que ça va être carré, rond, croix rond. T'as compris? Oui, on va essayer. Au bout de 30 secondes, voilà, c'est pour ça, hein, j'avais peur que j'étais mal configuré. Celui qui a le plus grand score obtient la perruque. Je ne vais pas perdre. La perruque de Big Bro est à moi. Silence. C'est pas juste si tu commences tout de suite. Alors tu veux t'entraîner un peu? Oui, donc du coup, je vais m'entraîner un peu parce que je vais être sur des touches.
D'accord, c'est ça. Ok. Bon, je dois attendre que le décompte se finisse. Donc voilà, normalement c'est carré croix rond et moi c'est carré rond croix parce que je sais pas, j'ai mal configuré la chose à première vue. C'est pas grave. Allez, on commence pour de vrai. Je croyais que j'avais perdu. Bon bah ça va alors, content. Bizarrement ça s'enchaînait pas autant que ça. Hein. Moi j'ai pas parlé pendant ce temps-là mais j'avais un peu peur. Ok, je suis un homme de parole, tiens. Perruque blonde, parfait. Big bro, je deviens fou, vraiment fou. Tiens. Tais-toi, ne crie pas, juste parce que tu as perdu. Enculé. Les points d'acier de bro réduits en poussière. Ok. Je vais vous laisser, hein. Au revoir. Ok, bon, petite sauvegarde, parce qu'on a quand même réussi un exploit, attention, attention. Pam pam pam. Alors, c'est ici. Ok, alors après, est-ce qu'il faut que j'aille essayer directement? Une fois, alors. Non, c'est pas ça. Ça doit être ça. C'est ça. Soyez les bienvenus, prenez place où vous voulez. On va prendre place ici, hein. Scarf, non, je veux juste bouffer. Je m'assois. Alors, qu'est-ce que je vous sers? La bite. Excusez-moi. C'est nul. On s'en déguise après à manger ou soit possible à votre avis. C'était bon. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Une petite spécialité du jour. La spécialité du jour. Chaud devant. Faut d'avoir payé, ce sera 70 guilds. C'est un peu cher. Hein. Je vais pas payer. Merci, à l'instant. Badam, 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 badam. Et voilà, bon appétit. Ah ouais, d'accord. Bon, soit je dis rien, soit c'était bon, soit je dis j'ai déjà goûté à de la meilleure nourriture pour chat, quand même. C'est enculé. Merci, voici un coupon d'achat pour la pharmacie. Vous pourrez l'échanger là-bas contre un article. On n'a plus de coupons, alors on n'en donne plus. Mais on aura d'autres promotions, ouvrez l'œil. Ok. D'accord. Ah putain, j'aurais quand même dû regarder avant, parce que là, du coup, ça va être chiant. Laissez-vous donc faire la pharmacie juste en dessous. Parlez à l'homme afin d'échanger les coupons. D'accord. Alors, la pharmacie, normalement, est juste en dessous. On est d'accord là-dessus, ça, je m'en doutais. Bonjour. Waouh! Pourquoi tu restes à ça indien? Ah, tu as un coupon. Choisis le remède que tu veux. Voilà. Merci. Bon, là, du coup, je vais au bar. On est d'accord. Badabadabam, badam. Poum, poum, poum. Alors, le bar, je crois que c'est ici, si je me souviens. Ouais, cool. Salut mec. Eh, hey, tu pourrais m'en servir si quelqu'un restait là-dedans toute la journée sans en sortir, je ne tiens plus. Bah ouais, mais attends, pour 30 services, c'est où? C'est là? Ah voilà. Eh, hey, il y a quelqu'un à l'intérieur, il ne faut pas regarder.
que Herc. Donne-lui un cachet. Hein, tu as rarement donné. Merci. Ouf, je me sens mieux maintenant. Voici pour toi. C'était pas très sexy, mademoiselle, hein. Je vais plus le mettre comme pied. Pouf. Et ça va? Oups là. Mec. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous dérange pas, j'espère. Alors, je ne suis pas gay, hein. Ok, donc ça c'est fait. Ah là là, les filles dans ce jeu-là sont pas... Hein. D'accord. Bon, voilà, c'est ok. Mais en somme. Sinon, vous récupérez soit le parfum fleur, contre le parfum de chambre, en fait. D'accord. Rendez-vous maintenant au magasin de Mata, situé en face du magasin de vêtements. D'accord, donc ça je sais où c'est. Excusez-moi, hein, franchement, je... Mais ça je m'en souviens plus. Faut dire que FF7, ça fait quand même pas mal de temps que j'y ai pas joué, quoi. Je l'ai fini beaucoup de fois, mais là, ça fait pas mal de temps que j'y ai pas joué, donc non, c'est pas là. Donc du coup, je me souviens pas par cœur de tout, surtout de ce passage-là. Alors, le magasin de Materia... Non, ça c'est magasin d'items, je peux pas. Alors il serait peut-être en haut, je me suis peut-être gouré. Non, ça c'est machine and gun. Non, d'accord. Ça faudrait que j'y passe aussi, mais après, quand j'aurai tout. Magasin de matériel, magasin de matériel, magasin de matériel. Non, mais j'ai dû me gourer, il doit être en bas, excusez-moi. Alors, ça c'est le resto chinois. Ok. Oui, mais j'ai déjà bouffé tout à l'heure. Je vais pas rebouffer, monsieur. Écoutez, n'exagérons rien. Ça, c'est. D'accord. Normalement, il y a un truc là-bas aussi. Voilà, c'est ça. Ok, dis un instant, on peut se parler de... On peut se parler d'eau. Salut Homer, ça va? Qu'y a-t-il? Pas le temps, ok. Vraiment, je te suis reconnaissant. Excusez-moi mademoiselle, pourriez-vous vous retourner un instant? Pourquoi? Iris, ça c'est une affaire d'homme. Laisse-moi l'enculer de 30 secondes. Ça alors? Désolé mademoiselle, voici ce qui se passe. Tu connais ce distributeur à l'auberge? Parce que si c'est juste pour me parler, ça sert à rien qu'elle se retourne en fait. Elle va pas devenir sourde en se retournant. Je sais pas si t'es au courant. Je voudrais bien savoir ce qu'ils y vendent. Je ne veux pas demander à une fille d'aller me chercher ça. Quoi? Pourquoi je n'irais pas de même l'acheter? Eh bien en fait, j'ai dû me battre avec le gars de l'auberge. Je ne peux plus y mettre les pieds. Allez, qu'est-ce que t'en dis? Bien, merci. J'attendrai ici que tu reviennes. Fini? Ça va? J'ai tout entendu? Ok. Ok, donc c'est parti, donc là il faut aller à l'auberge. Excuse-moi mec, tu es conscient que tu me gênais? Hein? Bon. On tourne là, tu vois, donc c'est pas le moment de me gêner. Et là, vous deux, pourquoi ne pas prendre un peu de repos? C'est une très jolie chambre, on a une très jolie chambre. Qu'est-ce que vous en dites? On va faire ça. Alors, avant de lui parler, il faut que je regarde un truc. Est-ce que j'ai assez de fric? Truc à vérifier aussi. Oui, d'accord, ça va. Ok. Soyez bienvenus. On prend 10 guilds la nuit. C'est sérieux? Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir. Ok. Oui, tu as arrêté de nous accoster à chaque fois qu'on passait à côté de toi, parce que moi la prochaine fois je te nique ta gueule, donc je te nique ta race. Oh, je l'ai. Vraiment? Ouais, trop cool, ouais, tu te retournes encore. Waouh. Alors c'était quoi? Un kit de boissons de protéines? Quel idiot, je vais faire mieux que lui, ça va lui donner le vertige.
Merci mon pote, c'est à moitié. Prends ça, c'est pas beaucoup. Diadème de diamant. Ok. Mec, je rapporte un kit de boisson protéines là, et puis il me file un truc en diamant, c'est cool. Il est désormais sûr et certain de choisir la tâche optionnelle. Ouais, d'accord. Voilà, c'est là où va arriver le passage marrant. Donc normalement il faut que je parle à un mec. Je crois que c'est toi. Non, je n'arrive vraiment pas à prendre ici. Tiens, prends ça, tu ne pourras pas entrer sinon. Ok, donc ça c'est parfait. Alors, on en est à combien? Ok, bon, on a encore un peu le temps. Je pense qu'on a le temps de finir ce passage-là. Hop. Bon, déjà, la quête en elle-même était plutôt marrante. Mais là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pom podom, pom podom, pom 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 pom. Excusez-moi, je veux passer, merci. Je t'en prie, je t'en prie. Oui, oui, d'accord, je veux parler à l'autre là. Oh, putain. Eh, ce ne serait pas une carte de membre que je vois là dans ta main? Entrez, je vous en prie. Tu peux les tromper comme ça. Johnny. Bon, bon, il ne faut pas ramper au pied des filles. C'est donc comme ça que tu les as eues? Comme la traduction, hein. Allons-y. Pouh! Je veux dire, je suis une abeille! Dépêche-toi! Alors, normalement, je crois que je peux voir à travers les... On dirait qu'elle est vide. Oh, tiens bon. Donc là, on va regarder à travers. Chambre de la reine. Il y a que cette pièce est utilisée. Écoute bien. Écoute bien ou jette un oeil? Merde, je sais plus. D'accord, ok. Bon, ça du coup, c'est pas expliqué, donc on va faire ça au hasard. Oh là là! Le vent s'est calmé. C'est la malédiction du Satan ressuscité. Notre reine bien-aimée ne se réveille pas. Voilà. C'est pas des trucs bizarres dans vos chambres, hein. Le moment est venu. Une légende s'est transmise entre les générations. Et il faut peut-être se dépêcher de l'arrêter. Peut-être, oui. Nous avons un déjeuner avec le président de la Shinra. Psst, dis-lui. Je ne peux pas lui dire. Allez! Ah bon? Je pense que là c'est les deux mecs en fait qui sont en train de parler. Une légende s'est transmise entre les générations. La terre promise recherchée. Je suis tellement écœuré par le président, d'accord. C'est comme ça chaque fois que nous avons un voyage d'affaires à Midgar. Quelqu'un avec des yeux bleus. Et une grande épée blanche sur le dos. Parle de Cloud. Nous allons jusqu'à Midgar pour juste pour ça. Ne conduira pas à la terre promise. De quoi te plains-tu? Tu tiens juste les lampes et moi je dois supporter cette lourde armure. Je sais, mais ça fait partie du travail. Ah oui, vous avez entendu, la femme du président a découvert le petit hobbit de son mari. Haha, pas du tout, c'est la première chose que j'ai entendu dire. Oh, il a l'air claqué comme je suis content. Grand Dieu, monsieur le président, je veux dire, votre majesté. Oh, je suis désolé. Je vous en prie. Levez l'antique, ma bénédiction. Il s'est passé un truc un peu bizarre à la fin. Pouh, je veux dire, dépêche-toi. Je peux rejeter un œil? Ah. Je peux rejeter un œil, on dirait. Oh mince, encore! Cela fait combien de fois? Je ne sais même pas. Pfiou, le roi s'est habitué sûrement. Probablement le roi s'est pris en Shinra. Je sais pas trop, mais il se passe des trucs bizarres dans cette pièce.
le vent s'est calmé. Il y a un peu tout ce qu'il y a, je me rapproche. Il y a une madame là, hein, il me semble. C'est la malédiction du 7 ans, mais la reine bien aimée ne se réveille pas, d'accord. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait une madame. Le moment est venu. Légende, ouais, d'accord, ok. Ouais, en fait, je m'en fous. D'accord, donc c'est exactement la même. Ok, bon, bah, je regarderai pas deux fois. Je vais passer vite, hein. Ça va, ça fait pas trop mal aux oreilles là? Vous aimez ça, hein? Bon, après avoir vu, le président a des drôles de hobbies, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait à cette pauvre petite fille, mais. Pas ce gars-là non plus. Pouh, je veux dire, dépêche-toi, bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Chambre des amants. Ok, bon, on va aussi jeter un oeil. Hein. Ne vous inquiétez pas, les deux autres chambres, on peut pas jeter d'oeil. Retenez bien cette musique parce que vous allez l'entendre un peu plus tard dans le jeu et en fait, eh bien, ces personnages ont, ont un rapport avec l'autre personnage qui va avoir cette musique. Pfiou. Qu'y a-t-il, papy? Tu n'arrêtes pas de soupirer. Ah, c'est papy et c'est mamie, d'accord. Whiz, Whiz. Puff, tu sais, mamie. Qu'est-ce qu'ils font? Tu parles de cette pièce? Il y en a d'autres. Ouais, je sais que notre fils nous a loué tout ça, mais c'est trop beau pour nous. Un grand liron, une superbe baignoire, je n'arrive pas à me sentir à l'aise. Hé, hey, papy, ne t'en fais pas, c'est un quartier pire de la grande ville. C'est quoi cette voix? Si tu continues à te plaindre, nous aurons des ennuis. Ok, papy. Ok, papy. Whiz. Bon, ok. Fou, je veux dire, dépêche-toi. Tu vas te mettre, dépêche-toi. Je vais te tanner la gueule, tu vas pas comprendre. Chambre de connard. Bon, ok. Alors, donc normalement, on est censé prendre laquelle, nous? D'accord, je me souviens. Ok, donc on va plutôt prendre celle-là, c'est ça? Voilà. Autant prendre la plus marrante, parce que l'autre, elle l'est pas. Je prends cette pièce. D'accord, maintenant il ne reste qu'à rentrer dans la pièce. Tu ne vas pas changer d'avis, n'est-ce pas? Je peux pas me répéter. Oh, ne m'en veux pas! Mon dieu, le type violent, c'est sûrement lui. Ouais, je suis très violent, surtout avec les femmes. D'accord, s'il te plaît. Bala 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 bam. Hé, hey, pourquoi tu fermes ma clé? Au secours, elle m'a enfermé! Pas ici, s'il te plaît. Comment elle marche? Tu pourrais marcher normalement, s'il te plaît? On commence? Je pense que si tu as acheté cette pièce, c'est que tu détestes être seul. Non, j'ai l'habitude d'être seul. Mon dieu, tu es vraiment mal luné. Viens, tout le monde t'attend. Tout le monde attend. Tout le monde? Hein? Et voilà! Bon, vous tous! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! Oh là là! Oh là là! Oui? Bonjour, monsieur! J'adore le mec qui est blond là! Pourquoi ils ont tous la. Ils ont tous la bouche grande ouverte bizarrement? Encore une fois, je ne suis toujours pas gay! Qu'est-ce que c'est? Sourire, sourire, sourire! Oh bon sang, que dois-je faire? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi, hors de mon chemin. Pureux, ne sois pas aussi gêné, détends-toi. Pureux, débarrassons-nous ensemble de notre crasse. Qu'est-ce que c'est? Hein? Non, je peux partir? Monsieur? S'il vous plaît? Monsieur, non! Eh bien, c'est toi le type intime, hein? Oh là là, regarde-moi ça. Mais elle est grande et douce. Puis vraiment dans le mal avec les autres. Je suis toujours pas gay. C'est super de se baigner. Ça vous réchauffe le cœur. C'est comment, vieux? C'est bon, hein?
Non, ça fait mal. On étouffe ici. Tu t'y feras. Compte à rebours à partir de 10. 10, 9. Et mon pote, quel âge as-tu? 8, 21 ans. Ça te fait moins de la moitié de mon âge, je suis très jaloux. Et alors? Tu veux rentrer dans mon groupe de jeunes potes? 7, 6, je répondrai pas. Ce n'est pas pour être impoli, mais tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu voudrais arrêter de me parler? Bon, si c'est ce que ça t'inspire, dommage. Nous avons prévu un séjour dans une cabane en pleine campagne. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, ça y est, je sors. Pourquoi tu ne restes pas jouer un peu, papa, être seul? Oh, papa! Ah, putain! Il s'est habillé très vite. Hein. Et vieux, c'est important. Parce qu'il était déshabillé dans le bar, je précise quand même. Et vieux, c'est important pour moi. Voici un souvenir pour les moments passés ensemble. Ouais, je vais être trop sexe avec ça. J'espère que nous nous reverrons. Au revoir. Ça, ce sont des sous-vêtements. Je suis censé les porter. Bah oui, Cloud, hein, tu sais, toute personne constituée normalement porte des sous-vêtements. Sauf les salopes. Ça va, je déconne. Bon, si c'est pour sauver Tifa, il faudra bien en passer par là. Alors, normalement, il y a un tout petit passage encore. D'accord. Alors, excusez-moi après un petit moment d'absence. Oh, tu roules du cul, toi, hein? Salope. Alors, toi aussi, remarque. Si je me déguisais... Non, si je me déguisais en femme, j'aurais me préparé soigneusement. Je crois que je pourrais me faire maquiller ici. Fais-les se maquiller. Putain, traduction de merde. J'aurais un service à ton moment, peux-tu aussi me maquiller? Colle, colle, colle. Oh, ça alors. Je suis belle comme ça. Je suis belle. Oh, bon sang. Oh, bon sang. Oh bon sang. Oh bon sang, un gay. Non, bon sang. Bon bah, si vous savez dire que ça, je me casse moi. Vous êtes sûr que vous allez dire que ça, mais même si là je rentre, c'est toujours au bon sang. Bon, okay. Bon bah, c'est fini. Elle est où la madame? Il y avait une madame tout à l'heure, non? Ouais, elle est partie. Ok, on se caisse. Hop là, les gars, vous avez dégagé tout de suite. Alors, toi déjà, tu fais pas de moonwalk. Ok. Je veux aussi des fleurs. Je suis tellement nerveux quand je vois des jolies filles. Ça me semble si naturel de faire attention. Hey Cloud. Ça va, Johnny? Alice, merci pour la fleur et un guin. Je vais garder précieusement. Je vais la faire sécher et la garder. Elle me portera bonheur. J'ai demandé à Alice si on pouvait se voir. Elle a dit que même pour un million de guin, elle dirait non. Ces fleurs coûtent 300 guin, elle est dure en affaire. J'ai apporté quelques jolies fleurs de la part d'Iris. 500 guilds, c'est un peu cher, bon. Au moins, je connais son nom. Iris, tout ce fric, tu me le donnes, j'espère. Non, parce que je voulais parler à lui, là. Monsieur, c'est bientôt l'heure de la fermeture. Alors, n'oubliez pas de reprendre vos affaires. C'est bon, c'est fait. Non, non, mais ça va, c'est pas... Ta gueule. Non, mais toi aussi. Ok, Iris, on part. Bon bah écoutez petits amis, alors la quête est finie hein, puisque là après bah on va s'habiller puis on va y aller. Sauf que vu l'heure, je pense que j'ai fait un peu plus de 45 minutes. Donc moi je vais m'arrêter là, enfin on va s'arrêter là pour donc l'épisode 4 de notre Let's Play sur FF7. Et eh bien on découvrira simplement la suite dans le prochain épisode. Par contre que je ne vais pas faire maintenant, enfin maintenant je veux dire dans la continuité. Voilà, mais normalement il sera là la semaine prochaine. Je vais en mettre un ou deux cette semaine, et puis la semaine prochaine j'en mettrai un ou deux. Voilà, donc sur ce, les petits amis, je vous dis sup tout simplement, et puis portez-vous bien. Sup sup.